Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, étaient remplis de fureur contre les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit sortir en disant, « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent et, de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil. Tout le Sénat des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans leur cellule et ils revinrent donc avec cette nouvelle. Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée et les gardiens en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. En entendant ce rapport, le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle. Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Alors, le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'ils redoutaient que le peuple ne leur jette des pierres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, je viens de